Remember back in the days when niggas had waves. Ah, c'est souvent, on lui demande de faire un Wash & Style version 2021. Tu sais quoi, je vais faire. Yo, yo, yo. Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un Wash & Style version 2021. Comme tu le sais, ça évolue très souvent le Wash & Style par rapport aux produits qu'on utilise, par rapport aux façons de faire, il y a souvent des nouvelles choses. Donc là, Wash & Style version 2021, j'espère qu'avec ça, tu auras toutes les clés en main pour faire ton Wash & Style. Je ne vais pas parler très longtemps pendant cette introduction, on va passer directement dans le vif du sujet. On commence tout de suite, juste après mon intro les gars. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, yo. Pour ce faire, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Et après, voilà, vous faites un essai, vous essayez vous, ce que vous avez chez vous, par rapport à ce que vous voyez parmi d'autres youtubeurs, etc. Pour ce faire, bien évidemment, je vais avoir besoin d'un shampoing. Alors là, ne me jugez pas les gars, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, j'utilise un shampoing de chez Cantu. Ce n'est pas une mauvaise marque. Je le rappelle, ce n'est pas une mauvaise marque. Cependant, moi, quand tout, ça m'arrive très souvent d'avoir les cheveux très secs avec leur crème hydratante. Et là, sous la main, j'avais du shampoing de chez Cantu. Il n'y avait plus le She Moisture que j'utilise classique. Là, c'est celui-là. Voilà, le shampoing de chez Cantu ici. Et il fait l'affaire. Il fait l'affaire, je vais dire la vérité, il fait l'affaire. Sachant que je fais un Wash & Style par semaine quand je suis en période classique et deux Wash & Style par semaine quand je suis en wolfing. Ce n'est pas une généralité, c'est comment moi je fonctionne. Il y a d'autres techniques qui existent. Après ça, vous allez avoir besoin soit d'une brosse classique, soit d'une brosse qui va être detangler, soit d'une brosse qui va venir, même pas, c'est pas soit, c'est plus une brosse qui va venir être pour le Wash & Style. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de brosse pour le Wash & Style, en plastique, etc. Donc, elles utilisent une brosse normale pour brosser leurs waves. Moi, ce que je te conseille, si tu n'as pas de brosse pour le Wash & Style, c'est d'utiliser une brosse qui va être la plus dure possible. Parce que le principe du Wash & Style, c'est vraiment d'aller en profondeur et de pouvoir bien discipliner tes cheveux. Moi, j'utilise deux brosses. Une qui va venir détendre. Donc là, c'est une brosse de chez ASPI Style. Et cette brosse-là qui est en plastique, ce qui est bien, c'est que elle a des dents qui sont assez larges, tu vois? Ou pas, là. Voilà, ici, je pense qu'on va bien. Et celle-ci va venir vraiment détendre les cheveux après mon premier, voire peut-être mon deuxième shampoing. Je te montrerai, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Ouais. Derrière, je vais utiliser ici la brosse que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très dure pour le coup. C'est une brosse de chez Royalty, comme tu le vois ici. Je ne sais pas si c'est à l'endroit pour toi. Mais ouais, c'est une brosse de chez Royalty, voilà ici. Et c'est une brosse spéciale Wash & Style. Elle est en plastique, bien sûr, pour ne pas abîmer la brosse. Vraiment très dur. Pour le coup, je trouve que c'est l'une des meilleures brosses. J'en ai essayé au moins 5 ou 6. Et pour moi, celle-là, c'est l'une des meilleures brosses qui existent pour le Wash & Style. Moi, j'utilise ces deux brosses-là. Comme je te l'ai dit, si toi, t'en as pas deux, ce n'est pas grave. Utilise une brosse poil dur. Je vais bien évidemment utiliser aussi un peigne. J'ai oublié de vous le montrer, mais ça va être en priorité un peigne pour pouvoir détendre avant de faire le shampoing. Je vais utiliser une wave cap. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une wave cap qu'il y a eu dans ma Waves Box. C'était au mois de décembre, je crois. Vraiment bien. Après, elle est un peu large pour moi, donc moi tu verras, je vais la combiner avec autre chose. Et voilà, pour ceux qui ont ma Wavesbox, d'ailleurs je t'invite à aller check, tu vois, c'est pas un petit placement de produit, mais tu peux voir. Tu peux aller check directement en bas, comme tu vois juste ici là, t'as moins 20% avec le code YouTube sur www.mawavesbox.com. Et d'ailleurs, petite chose les gars, en ce moment, vous pouvez voir sur les stories ma Wavesbox, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a eu d'ailleurs une évolution, on a posté beaucoup plus de choses, etc. On essaye d'être beaucoup plus actif, on essaie de vous répondre aussi au mieux. Et surtout, en ce moment, il y a eu jusqu'au 25, si je me souviens bien, un cours, une espèce de concours pour désigner quel sera le meilleur waiver avec la meilleure évolution. On va faire ça tous les mois et on a eu des réponses, on a eu des photos et tout. Et bref, je vous ferai une vidéo dessus, mais juste pour vous dire, soyez vraiment assidus sur les stories, sur les posts qu'il y a sur ma Wavesbox sur Instagram. Bref, petit Wash & Style, ok. Donc ce qui est bien, c'est que ça va venir en fait vraiment enlever le shampoing, si tu veux, le mieux possible, tu vois, avec des trous. Et moi, ce que je fais, c'est que comme je te l'ai dit, comme elle est un peu large, j'utilise avec une espèce de wave cap, ok, qui est en tissu, mais qui est assez fine, tu vois, on voit mes mains à travers. Et en fait, ça va vraiment venir compresser. Parce que si je mets un durag, ça va ne servir à rien du tout. Autant mettre directement un durag pour le Wash & Style. Mais moi, je préfère ça parce que ça va vraiment permettre d'enlever le maximum de shampoing possible sans rester pendant 15 heures sous l'eau. Et surtout, ça va permettre de sécher beaucoup plus vite, à l'air libre. Et pour finir, les gars, j'utilise mon fameux, ici, miroir de chez Lip Fizz Barbershop. Encore une fois, tu as moins 10% avec le code JIMMY10 sur tout le site. Tout est dans la barre de description, ne t'inquiète pas. Moi, c'est un miroir qui est en trois faces, ici. Et je m'en sers. En général, je le pose sur une porte directement et je m'en sers. Mais comme là, c'est pour la vidéo, je vais m'en servir comme ça, face à ma caméra. Bon, là, c'est mon portable qui fait office de caméra. Et je vais faire mon Wash & Style. Voilà, je te fais un petit rag. Et on va commencer tout de suite, les gars. Bon, là, les gars, il faut savoir que je ne suis pas en wolfing. C'est une période classique. J'ai coupé mes cheveux, je crois, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et là, ça fait... Bah, la dernière fois, c'était... Attends.
Bah, c'était vendredi dernier que j'ai lavé mes cheveux. Et donc là, tu vois, on peut voir que mes cheveux, bon, ils sont pas en mauvais état, d'accord? C'était un bon état. Mais voilà, ça fait un petit moment que je les ai pas lavés, depuis une semaine, comme je te disais. Et donc, on va faire ça. On va commencer par faire une session comb, donc vraiment pour enlever correctement tout, ok, pour vraiment surélever. On va faire le premier shampoing, je pense même que je vais en faire deux parce que mes cheveux, il y a quand même pas mal de beurre dessus et d'huile. On va faire deux shampoings avant de commencer le wash and style, pour enlever déjà en priorité tout l'excédent de produits, de saleté, de poussière, etc., de résidus. Et ensuite, on va passer au wash and style complètement. Vraiment de faire juste ça pendant les 1 à 2 minutes maximum, c'est vraiment, tu vois, pour surélever en fait et pour pouvoir mieux laver. En soi, ça ne fait rien spécialement sur les waves parce que, comme je te l'explique, moi, comment j'effectue mon wash and style avec l'évolution, j'effectue toujours soit au minimum, mais vraiment au minimum, un seul shampoing avant de faire mon wash and style pour enlever l'excédent de produits, l'excédent de résidus, etc., bien faire mousser, etc., pour bien avoir quelque chose de bien avec le shampoing. Mais là, en ce moment, j'en fais même 2 avant pour pouvoir bien faire ça correctement. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai utilisé mon peigne, voilà, j'ai vraiment surélevé un petit peu mes cheveux parce que j'ai un rag, on est le matin, tu vois. Et là, je vais faire mon premier shampoing. Je pense que je vais en faire 2. Et tu sais quoi, on se retrouve directement après, une fois que mes cheveux sont lavés, après 2 shampoings. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un shampoing vraiment classique. Hein. Ça veut dire que je mets de l'eau, je mets mon shampoing dans tous les sens, dans tous les sens. Et tu verras, de toute façon, quand je vais arriver, quand je vais revenir, tu verras que mes cheveux sont vraiment dans tous les sens. C'est normal, ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Ok, la team, me voici de retour. Donc là, mes cheveux sont vraiment, tu vois, complètement propre, d'accord, ils sont vraiment propres. J'ai fait 2 shampoings pendant à peu près 10 minutes. Bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait 2 shampoings. Et je tiens à préciser, les gars, s'il vous plaît, que le wash and style n'est pas la technique principale pour faire des waves. Ça veut dire que, de base, ok, pour faire des waves, tu ne fais pas un wash and style. Le wash and style fait partie d'une routine capillaire pour les waves, pour améliorer le fait de discipliner et toujours améliorer les connexions, parce qu'en soi, tu vas toujours garder tes cheveux bien plaqués. Et voilà à quoi sert un wash and style, les gars. En fait, moi, ça me désole de voir autant de personnes qui font des wash and style pour dire comment faire des waves. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça reste mon avis. Je ne demande à personne de le partager, mais voilà, c'est mon avis. Un wash and style, ce n'est pas la technique principale pour faire des waves. Bref, j'ai oublié de te montrer tout à l'heure. J'utilise, alors là, c'est un spray. Là, c'est un spray de chez Intensive Hair 1997. T'as tout, de toute façon, dans la barre de description. Ce spray-là, alors, c'est de l'eau dedans. Et j'ai mis aussi de l'huile. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai déjà expliqué, le shampoing va venir agresser tes cheveux et surtout enlever l'huile naturelle, le sébum de tes cheveux. Mieux, c'est de mettre toujours un petit peu d'huile. C'est une bonne technique à mettre pendant ton wash and style, pendant ton shampoing. C'est de l'eau avec de l'huile. Et je le rappelle, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. C'est un mélange instable, d'accord? Donc, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez toujours mettre un émulsifiant. Ça fait acheter des choses en plus pour mettre dedans. Le mieux, c'est à chaque fois que vous mettez de l'eau et de l'huile, vous mélangez. Très important, parce que sinon, ça ne va pas se mélanger et vous allez avoir l'huile qui va être au-dessus et l'eau qui sera en dessous. Donc mélangez toujours un petit peu et après vous pouvez appliquer. Moi je le fais pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ma salle de bain. Je vais pouvoir appliquer souvent de l'eau comme ça pendant que je fais mon wash and style. C'est parti. Thank you.
Ok la team, maintenant que j'ai fini, comme tu as pu voir, ma session Wash & Style au niveau de la brosse, je vais maintenant appliquer le Wash & Style, la Wash & Style cap plutôt. Et comme je te disais, et tu vas le voir, elle est un petit peu trop grande par rapport à ma tête. Regarde, je te montre. Tu vois, ici, comme tu peux voir, c'est assez large, tu vois, ici, là. Donc, en fait, on va pas avoir la compression optimale qu'on a envie d'avoir. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus une wave cap qui est en tissu, tu vois, comme je te l'ai montré tout à l'heure, qui est assez fine. Et ça va me permettre de pouvoir vraiment avoir une compression plus intéressante. Donc, je la mets au-dessus. J'essaye de faire en sorte que mon Wash & Style cap, ma Wash & Style cap, en dessous, ne bouge pas, tu vois. Là, ici, j'essaye de tirer au maximum pour avoir une bonne compression. Tac. Après, comme je l'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous avez un durag, vous mettez un durag. Mais c'est plus intéressant d'avoir une Wash & Style cap. Si toutefois, elle n'est pas aussi grande que la mienne, tu vois. Pas aussi large. Voilà. D'avoir plutôt une compression plus intéressante. Tu vois, ici, là. Voilà. Je te montre derrière. Voilà, comme ça. De toute façon, en soi, on s'en fout du style. Parce que là, après, une fois que ça va être rincé, que ça va être humide, que ça sera bien nettoyé, je vais enlever et je vais mettre mon durag pour avoir vraiment un séchage beaucoup plus... C'est dur à dire, séchage beaucoup plus rapide. Les gars, on se retrouve, d'accord? Je vais aller rincer mes cheveux. On se retrouve tout de suite après. Ok, la team. Bon, là, comme tu peux voir, mes cheveux, ma tête mouillée et j'ai rincé. La compression a tenu. Voilà, on peut voir ici, tu vois, ça a bien tenu, tout ça. Et là, attends, juste mes cheveux. Et là, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je rince avec de l'eau plutôt froide pour éviter d'avoir des frisottis. Là, les gars, je me suis essuyé voilà, comme ça. Ici, jamais je frotte, toujours je tapote. D'accord. Et de toute façon, on va faire sécher après avec un durag. Donc là, comme ça. Donc là, je te montre. Il y en a qui restent comme ça et qui laissent sécher. Moi, tu vois, j'ai du mal. Que j'aime bien à chaque fois avoir quelque chose qui sèche assez rapidement. Surtout en ce moment, tu vois, il fait froid. Donc voilà, tu vois, moi, j'enlève comme ça et je fais vraiment tout doucement. J'enlève. Et aussi, t'as deux écoles, j'ai oublié de dire. Bizarre d'être comme ça, on dirait un marin. T'as l'école des personnes qui mettent directement un leave-in conditionneur qui va se laisser sur les cheveux, comme son nom l'indique, leave-in. On fait sa session et on remet un durag, on le laisse sécher. Après, t'as ceux qui laissent sécher et qui mettent l'après-shampoing une fois que c'est sec. Il y a ceux, encore une fois, comme moi, qui voilà, préfèrent ne rien mettre du tout et faire une session après. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je vais laisser sécher, je ne mets pas de conditionneur, je ne mets rien du tout. Après, les gars, vous faites bien sûr comme vous voulez. Moi, ce que je fais, comme je te l'ai dit, c'est que je vais enlever tout doucement ici la wave cap. Ce qui est bien, c'est que tu vois, comme elle est assez large, je n'ai pas de souci à l'enlever sans faire de problème. Voilà, donc là, c'est comme ça. Je fais un petit tour, tac, 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 voilà, basta. Je vais pas rester très longtemps comme ça. Je mets mon durag et je vais laisser sécher, comme ça. Là, j'essaie aussi de ne pas trop faire bouger mes cheveux. Là, j'attache mon durag. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais un Wash & Style, ce qui est intéressant, excuse-moi, c'est d'avoir une double compression. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Mais je disais, ce qui est intéressant quand tu fais un Wash & Style, c'est d'avoir une double compression quand ça sèche, pour vraiment avoir quelque chose de bien plaqué, tu vois. C'est ce qu'on recherche avec un Wash & Style. Voilà, je fais mon nœud classique pour bien serrer. Je tire bien, voilà. Et au-dessus, je mets ma boubou cap qui est ici. Comme ça, ça fait une double compression. Là, je vais bien la tirer, d'accord. Je vais même faire deux fois. Et puis ça commence à devenir bien étendu, tac, et voilà, là je suis bon, je laisse sécher comme ça. Après bon, moi derrière j'ai fait un petit nœud, juste pour enlever ça, voilà, boum. Voilà, tu vois, là je suis paré, j'ai fait mon Wash & Style classique, sans mettre de conditionneur, sans mettre d'après-shampoing, rien du tout, il y en a qui en mettent. Moi, il y a deux mois, j'en mets pas, tu vois, ça dépend en fait de comment sont mes cheveux actuellement. Là j'en mets pas, je laisse comme ça. Après, ce que je ferai, c'est qu'une fois que ce sera sec, je mettrai de l'huile, un beurre, une petite session brosse avec une brosse poil souple, très important. Je remettrai mon durag et basta, mes cheveux seront bien. Bon, les gars, on se retrouve d'ici à peu près les 2-3 heures pour voir une fois que mes cheveux seront bien secs. Let's go. Ok, la team, nous revoici maintenant après 3 heures. Ça fait 3 heures que j'ai ça sur la tête. Maintenant, c'est complètement sec. Et comme je vous l'ai dit, 3 heures, c'est même beaucoup parce que, en réalité, je n'avais pas besoin de temps. Ok, je pense que, allez, 1h30, j'aurais pu vous faire ça, mais je voulais vraiment que ce soit bien sec. Et aussi, j'étais en train de lire un livre. Bref, là, je te montre ça. Ok, je te fais juste un petit wave check et tu auras toute la vidéo entière du Wash & Style version 2021. Let's go. Voilà le résultat, les gars, de mon Wash & Style. Donc mes cheveux sont bien propres. Je suis fier du résultat. Ouais.
sont bien disciplinés, bien propres. Je suis content. Faudrait que je travaille un petit peu ma couronne là, mais ouais, je suis content. Et sacré fourche ici à enlever. Et ouais, non, je suis content pour le coup. Bon résultat, c'est bien. Et voilà les gars, bon, si tu m'as pas beaucoup entendu, c'est normal parce que le micro était sur le côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez maintenant toutes les clés en main pour effectuer un Washington Style à ma façon. Encore une fois, souvent je prends des exemples à gauche, à droite, je prends de ce qui se fait un petit peu sur le wave game et j'essaie de faire ma propre technique. Ce qui va fonctionner sur moi, peut-être ne va pas fonctionner sur vous à 100%. Faites par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ok? Et là, vous faites votre combo parfait pour faire votre propre style. Routine, etc. D'accord? En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde comme tu le sais. Mets un petit pouce bleu pour le soutien. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Et surtout, active la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.